tous les jours nous disons Mboka Bapoko Batikela Kabisson. Vous pouvez me citer un seul Koko congolais qui a participé à la création de ce pays? Nous sommes d'abord Tuti avant d'être congolais. Le Congo nous a trouvés, le Congo est venu vers nous. Nous sommes Tuti, nous sommes fiers de l'être et nous appartenons à la République démocratique du Congo. Nous sommes congolais, nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes congolais, nous n'avons pas besoin de nous justifier. Eh bien, s'il y a balkanisation, ce sont les ancêtres qui peuvent les décider. Croyez-moi, il n'y a aucun Congolais qui peut décider aujourd'hui de la balkanisation de ce pays. Tuti soit-il. Mais si nos ancêtres, ceux-là qui ont créé ce pays, décident aujourd'hui de balkaniser ce pays, eh bien, vous le connaissez bien, nos ancêtres, c'est les Belges et leurs sociétaires. S'ils se décident aujourd'hui de balkaniser ce pays, je ne vois même pas celui-là qui lèverait sa main. Parce qu'il n'était pas là lorsque ça a été créé. Eh bien, c'est, pour nous, c'est juste un faux fuyant. Nous n'avons besoin que d'une seule chose, vivre comme tout le monde. Dans la paix, sans être stigmatisé. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons vivre comme toutes les autres communautés. Et nous ne vivons pas mieux que les autres. Le même problème que les autres communautés, nous le partageons. Les routes, l'électricité, le chômage, nous le partageons au même titre. Les Tutsis n'ont pas de privilèges. Nous ne sommes pas dans un pays qui donne, qui octroie encore des bourses d'études, des faveurs à sa population. Il n'y en a pas. Tout ce que nous avons, nous travaillons d'arrache-pied pour l'avoir. Et donc, nous récusons ces accusations infondées et nous conseillons aux gens qui continuent à nous accuser de venir ici. Ils se rendront compte qu'ici, c'est chez nous. Nous y sommes, nos parents y étaient avant que les colons arrivent et nous continuerons à y exister, qu'importe leur sentiment de haine ou de discrimination. Une occasion...